Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi, ça va très très bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur Kena, évidemment toujours sur PlayStation 5, avec l'épisode 5. J'espère que l'épisode 4 vous a donné des frissons. En tout cas, j'ai eu des petits moments de frissons, surtout avec l'arc, évidemment, qu'on a pris à maîtriser. Regardez ce jeu, toujours aussi fabuleux. Une aventure magnifique. Évidemment, quel bonheur de jouer à ce jeu, il est trop stylé. Allez, on met le masque, je sais plus où il fallait aller, c'était ici. Attendez, mon objectif était là-haut, pardon, Gouiche, qu'entends-je? C'est possible. Ok, mon objectif a l'air d'être là-haut. Bon, bah écoutez, on va suivre notre objectif. Il me semble qu'il m'attendait un nouveau temple, parce que qui dit nouveau temple dit artefact, non? Oh, attendez. Il y a de la pourriture ici, si je puis me permettre. Ah, il faut récupérer la lettre. Ok. C'est très bizarre, ça. Je suis... Ah, si! Il y avait un pont, effectivement! Regardez. Pas là. Alors là... Attendez. Ouais, je crois que j'ai vu... Oh! Ah oui! La forêt oubliée. Oh, c'est bien plus loin que ce que je pensais en vrai. D'accord, j'aurais peut-être pas dû me TP au village ou en tout cas revenir avec mes petites ailes, mais c'est pas grave. On y va. Sésame, ouvre-toi! Bref, j'espère que les 4 premiers épisodes vous ont plu. Moi, je les ai trouvés giga stylés, évidemment. Oh, c'est encore beaucoup plus loin, mais qu'est-ce que je fais? C'est terrible. Voilà, ça c'est pour le plaisir de faire popper des petits rots. Alors attendez, c'est beaucoup plus loin que ce que je pensais, cette petite histoire là. Ça va m'emmener où encore, cette connerie? D'ailleurs, ça me dit rien du tout ici. Ouais, ça me dit rien du tout. Quelle erreur, j'aurais dû me TP à côté en fait, non? J'ai été bête là, non? On fait un début d'épisode pour rien un peu, hein? Ouais, c'est pas grave, allez. C'est pas grave, c'est le kiff. Petite escalade, à force, de toute façon, on va connaître le village par cœur, évidemment. En tout cas, j'espère. Voilà, nous y voici. Est-ce que vous voulez... Là, je me TP? Oh, ça serait ridicule de se TP quand même. Ça serait ridicule, mais j'aime le ridicule. On va se TP. On va se TP. C'est pas grave. C'est pas grave, j'ai confiance en moi. Je suis plutôt serein. Direction l'arbre de tarot. Et de l'arbre de tarot, nous avons la prochaine direction qui est tout simplement à droite. Ah oui, on devait... Oh là là. Ben ouais, mais j'ai fait une boulette. Diams, la boulette. Je devais récupérer... dans la maison de Taro, quelque chose. Là, il m'avait dit passe à la maison, mon ref, je te paye un café. Quelle erreur, c'est de ma faute. Je peux m'en prendre qu'à moi. Direction donc la maison, et là, si je ne m'abuse, ouais, c'est bien ça. C'est bien ça, aucun souci. Récupère. Ouais. Pas évident de suivre l'objectif comme ça, à travers le masque. Quoi? Ok. Alors là... Comme c'est étrange. Ah. Alors ça, par contre, c'est vraiment étrange, hein. Soit je suis teubé. Ok. J'ai pas saisi... J'ai vraiment pas saisi. Alors attendez, si je fais ça, d'accord. Ah ouais. Ah dommage que je sois aussi con, hein. C'est vraiment dommage. Allez, on est parti. Ah désolé. Oh, la boulette. On a fait 4 minutes à marcher et à essayer de comprendre comment on ouvre une putain de porte. La forêt oubliée. Je ne sais pas ce qu'on vient faire ici. Pour être honnête avec vous,
J'ai oublié. Personne ne connaît l'âge exact de ces sanctuaires. Les gens qui les ont bâtis sont oubliés depuis longtemps, mais leurs œuvres existent toujours, veillant sur la forêt comme d'anciens gardiens. L'esprit de Taro a corrompu les temples et scellé l'entrée de l'arbre gardien. Je peux sentir la présence de Taro là-bas. J'ai marqué les emplacements des sanctuaires sur votre carte. Merci, Rusu. Je vais tenter de purifier les temples. Et ben on va purifier un maximum. Bien sûr qu'on va purifier un max. Oh, quel objectif est là-haut? Et ben on va dire que l'objectif, on n'en a rien à péter. Et on va tout simplement checker un peu ce qui se fait à travers ce petit truc qui me paraît bien sympa. Il y a forcément un petit rot ou quelque chose là, non? Ouais, regardez-moi ça. Hein, qu'est-ce qu'on a là? Oui, il est balèze. Ok. Ah, bien joué. Wouah, d'accord, ok. Ok. Allez, il est mort. Mort. Ok, quoi d'autre? Il se passe quoi? Il y a un bruit là, non? Dans le TX. Ah. Forcément. Alors là... Le doute, si je puis me permettre. Ah, peut-être. Ah, d'accord. Ok. Ok. Oh la vache, je me fais détruire la gueule. Oh là là, il a pu me porter un coup là, vraiment. Oh là 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 là. Catastrophe, ma chérie. Catastrophe, ma chérie, je suis tombé! Oh, pour être très honnête avec vous, il y a une mouche qui s'est posée, qui m'a fait extrêmement flipper. Elle s'est posée sur mon bras au calme. Oh, je suis un monstre. Ok. Hop. Mort. Mort, totalement anéanti, mon ref. Mort. Let's go! Tout le monde est mort! Allez, les rots, régalez-moi. Et boum! Et ben voilà, on redonne un peu de verdure. Waouh! On a galéré, les gars. 10 minutes! 10 minutes pour faire cette petite scène! Yo mon frérot, ça va ou quoi? Oh la vache, qu'est-ce qui se passe? Je tente des trucs, tranquille. Ok, maintenant on pourra passer par ici. Et on avait ça, très bien. Bon, hop. La neige fondante du sanctuaire de la montagne alimente ses ruisseaux. L'eau ici est sacrée. C'est une très belle histoire que tu me racontes là, mais putain, qu'est-ce que c'est flingué, bordel. Je m'attendais vraiment à ce que tu me donnes un petit truc, une récompense, je sais pas quoi, mon ref. Avec tout ce que j'ai fait pour toi. Terrible. Terrible. Et là, il y a plus rien à faire, là. Et là, on n'a plus rien à faire non plus. Pas grand-chose à faire, ici, malheureusement. Pas grand chose à faire. Bah, en vrai, je m'attendais à une petite récompense, tu vois, un petit cadeau et tout. Mais pourquoi pas? Ok. J'ai peut-être fait le fou là, non? Attendez, il y a quelque chose là-haut. Il y a quelque chose et ça me plaît. Quand je vois des signes comme ça au sol, soit c'est Fufu qui fait une invocation. Ah, c'est pour. D'accord, il y a quelque chose à mettre ici, très bien.
Très très bien, ça on prend. Hop. Ok, un masque à donner. Très bon ça. J'ai un problème. Elle est où la petite tête là, à bouger là? Où est-elle? Bah alors vous venez de vous les gars, vous avez fait le tour? Où est-elle? Il y a forcément une petite tête à mettre ici. Ça va être très intéressant. Et on repassera par là. Hop, ça c'est des cadeaux ça. Nous l'argent on prend, hein. On sait pas encore quoi en faire mais on prend. Elle est où les gars? Bah alors? Mince alors. On va pas rester 2 heures sur cette petite énigme. Toujours checker. Voilà. Toujours checker derrière les cascades. Et encore un petit masque à mettre pour mes rottes. Les champignons violets. Je suis très embêté. Je ne vois pas la petite statue. Ah. Ok. Alors ça, mon petit pote, c'est par ici. Non, d'où Jésus. Viens ici. Posez ça là. Alors là on est face à une énigme terrible. Qu'est-ce qu'on a là? Une roue. Une roue avec un signe. Ici. Là on a plusieurs roues. On a une bâtisse. Checker les potes. Très bien. Je pense que je vais pouvoir augmenter le niveau mérote et tout là, non? Pour qu'il soit beaucoup plus chaud. Ça, c'est quand même cocasse. Ah! Ok. Bon, y a une sacrée énigme ici. Hein. Cela mène à la grotte aux lanternes. Une relique s'y trouve certainement. Mais il nous faut quelque chose de puissant pour briser cet obstacle. Très bien. Et là, on a quelque chose de puissant dans ce petit coffre de merde? Non. Et ça, je l'ai pas, hein, je suppose. Hein, on est bien d'accord. Hein. Ok. Bon, écoutez, on a fait un tour complet. Maintenant, il est temps de passer à l'énigme. Il est temps de passer à l'inévitable. Et l'énigme était par ici. Alors... On a un pot, on s'en fout, on l'a déjà totalement saisi. On a un autre champot ici. Où je peux le mettre? Peut-être en face, non? Ouais, ça me paraît très... Oh, regardez, d'accord, j'ai compris. J'ai peut-être compris. D'accord, j'ai totalement compris. Allez, vous allez voir, ça va swinguer. Oh non, je dois aller rechercher l'autre. Ok, c'est la petite phase d'énigme, les potes. Vous êtes prêts à swinguer? Boum! Et ben voilà! Bonne chose de faite! Ah! Là, tu me fais plaisir! Bon, Taro, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Dis-moi, mon ref, t'as l'air énervé. Ces sanctuaires ont été bâtis sur des lieux de pouvoir. Les pierres sont enfouies profondément, connectées au flux d'énergie sous la terre. C'est tout. Voilà, c'est tout ce qu'il avait à dire. C'est déjà pas mal. Bon! Alors, bougez pas. Vous savez quoi? On a des choses à améliorer. Niveau des rods, 6 sur 20. Par conséquent, la santé du bouclier, ça me paraît pas mal, ça, non? Si je débloque, genre... Attendez, c'est quoi, ça?
peut tirer 5 flèches. Ça en prend, hein. D'accord, d'accord, d'accord. Appuyez sur R3 tout en bandant votre arc pour ralentir brièvement le temps. Et ça, ça me plaît. Oh. Ok, ok, ok. Et j'aurais pu améliorer les rods, j'avoue, j'ai fait un petit peu le radin. Oh, si, on peut faire ça. Oh, non, c'est pas ouf. Commencez le combat avec une action de rod disponible. Et appuyez sur carré en bandant votre arc pour créer une flèche imprégnée de rod. Putain. Matez ça. C'est fou. On débloquera ça la prochaine fois. Allez, on est prêt. Par ici. Bouge pas mon coquelicot. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Hop. Viens avec ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on va en faire de ça? C'est la question que les Français se posent. Qu'est-ce qu'on va faire de ça? Viens par ici. Ah, ok. J'ai la réponse. On va passer là-haut. Allez, regardez. Allez au charbon, les rottes! Des vrais frères. Allez, posez-moi ça. Let's go! Vous avez été. Hop. Fais-moi ça. Ça, par contre, c'est plutôt cocasse. C'est pas quoi faire de ça. Et là, on a quoi? Je suppose que c'est là-bas la suite de notre aventure. Même pas? Même pas? C'est juste pour un coffre? Incroyable. Bah, vas-y, on y va. Oh, Sugai! Oh, je l'ai vu. Oh, shit. Je l'ai vu! Je l'ai vu, je l'ai vu. Hop. Hop. Oh là là, ça s'arrête pas, mais qu'est-ce qui se passe ici du bois? Attendez, parce que là on va. C'est terrible! On va de découverte en découverte partout. J'essaye de voir. Je sais pas ce qu'on fait là, je sais pas, mais ça a l'air incroyable. Ça a l'air totalement fou. Ok, un nouveau rod, ça me plaît ça. Let's go. Un nouveau. Bon. Pas mal. Faire une vidéo sans nouveau rod, ça m'aurait un petit peu embêté. Je peux en avoir 35 maintenant. Alors ça va sûrement jamais s'arrêter cette histoire. Je sais pas combien on peut en avoir en tout. Oh, Sugoi. Sugoi. Comment on va là-haut? Yes. Oh les salauds. Bien joué à eux. Bien. Wesh les gars. Et donc... Ça c'est pour... Oh non, je suis court, je suis court, je suis court. On va la refaire. On va la refaire. Je peux pas m'accrocher au bord. Oh là là, quelle angoisse. Là, ça va être du calcul, ça va être terrible. Ouais, c'est très mathématique ce jeu vidéo. Voilà, s'il vous plaît. Un petit peu de respect. Ok. Vainquer tous les ennemis avant la fin du tour imparti. Mort. Voilà, easy game. Allez, régale-moi mon ref, hein. Un rot là-dedans, non? Que de l'argent. Boum. Ah, une tonne de pognon. C'est pas ce qui me plaît, mais... C'est mieux que rien. Ok. Eh ben écoutez, on est parti. Hop, on se barre. On n'a pas avancé. C'est terrible. Alors, yo les gars,
J'espère que vous allez bien. On va prendre... Allez, viens par ici, toi. Viens par ici, Bibiche. Je vais devoir prendre soin de toi. Parce que tu vas voir, je vais te faire rêver. Non, c'était où? C'était... Oh putain, ouais, non, c'était là-haut. Mais ça peut pas monter, ça. Si, ça peut monter. Ah ouais. Alors là. Comment faire? Il existe un autre chemin ou pas? Oh putain, que quoi c'est? Ah yes, très bien. Très très bien, il existe donc bel et bien un autre chemin. Allez, on va essayer de le diriger. Viens par ici. Hop. Alors là, on tombe pas, s'il te plaît. Cette histoire. Très bien. Et là, tu me détruis, tu me casses la gueule de tout ça, là. Voilà. Et c'est quoi? Incroyable. De l'argent. Oh, j'aurais cru un petit rot. C'était pas ouf, hein. Je m'attendais un petit peu mieux, je vais pas vous mytho. Bon, allez, il est peut-être temps d'avancer. Non, je vais me faire engueuler avec toutes ces bêtises. On a gagné un rot. On a gagné beaucoup d'argent. Direction donc la suite de notre aventure. Et je crois, si je ne m'abuse, que c'est par ici. Voilà. Aucun problème. On a fait les petites quêtes un petit peu environnementales, n'est-ce pas? Et puis, il en reste encore d'autres. Mais bon, là, il est temps d'avancer. On a quand même une relique à récupérer. Et ça serait bien qu'on avance, justement. Ok, on est de l'autre côté, je reconnais. On a un bel arbre ici. Très très bel arbre même. Là, on a l'air d'avoir pas grand chose. Oh, j'ai rien dit. Over there. Parce que dans ma mémoire et dans mes souvenirs les plus profonds et sincères... Forcément, on peut le foutre ailleurs, non? On peut forcément... Non, on est obligé de... Ah non, il y a l'arbre. Et ils ont tout prévu. Ok. Viens avec ça. Venez avec ça, les bonhommes. Venez avec ça. Vous allez me dire ce qu'on va en faire. Oh, j'ai une idée. Ah, c'est bon, j'ai trouvé. Allez, venez avec ça. Allez, pote. On y va, au charbon, s'il vous plaît. Allez, plus vite, plus vite, plus vite. Allez, les autres, on regarde pas, on encourage les collègues, hein. Très bien. Une chose de faite. Voyez-vous quoi, le ref? Là, tu m'embêtes. L'arbre gardien a été évidé par le feu, mais il a perduré. Ses racines sont profondément ancrées, le connectant au sanctuaire ancien. Purifiez les sanctuaires pour ouvrir la porte. Bien. Bon, on va pas le purifier tout de suite, ok? Ah, qu'est-ce qu'il y a? Ok. Ah! Allez! Venez les potes. Venez. Au charbon, on se dépêche. Allez les gars, on active. Comme d'habitude, pas toujours les mêmes qui soulèvent les gars. Faites tourner un petit peu là. Comment ça se fait que ça soit Bichette avec son petit nœud sur la tête qui est toujours de corvée là? Ça me plaît pas ça les rotes, hein. On se met d'accord maintenant, hein. S'il vous plaît, hein. Allez. Pas toujours les mêmes, après ça tourne. Hein. Ceux avec le gâteau sur la tête, vous vous mettez un peu au boulot. Hein. Ça va te bouffer, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Hein. Terrible. J'ai tout leur dire à ceux-là. Ok. On va récupérer le dernier si possible. Très bon ça. Allez, rejoins-nous.
Encore un nouveau ROTS. C'est ça de gagner. Oh, lui, il avait une tête un peu de débilos, mais je suis sûr que c'est un bon élément. Ok, bien, wesh. Allez, on se régale. On se régale. Et on se régale. Et grâce à ça, on va pouvoir monter le niveau des ROTS. Alors, on va leur donner quoi? Ça m'a l'air oufissime. Hop, je prends, j'en ai rien à péter, comme ça. Oh lolo. Incroyable. Incroyable. J'ai hâte. Ah mais attendez. Bah ouais, bouffez-moi ça. Allez, je veux plus rien de traîne. Merci messieurs. Bouffez-moi ça. Voilà. Ça rapporte de l'argent, les gars. Ok, on va avoir un petit défi ici. Bouffez-moi ça. Pouvoir m'améliorer. Très très bien comme ça. Allez, bien joué les gars. Bon, on va faire ce défi, hein, quitte à se battre. Oh putain, je me suis fait flipper. La vache. Ouais, je fais des bruits de bouche en même temps, ok. Oh la vache, ça, c'est un coup en traite ça, monsieur. C'est bon? Non, il en reste un. Il est où, d'où Jésus? Non, c'est bon? J'ai pas réussi. Oh, j'ai pas réussi et je suis à deux doigts de canner. Quelle vie. Quelle putain de vie. Aïe. Oh non. Oh, il a tué son pote MDR. Wouh. Il m'a fait peur. Oh la vache, beaucoup trop chaud. Ok, faut récupérer sa vie, beaucoup trop chaud. On va en chier parce qu'on a vraiment très peu de temps. On va récupérer sa vie. En attendant, je vais checker ici ce que je peux piquer. S'il y a des choses à piquer, évidemment. Il y a des choses à piquer. Très bien. Qu'est-ce qu'on a là derrière? On va le faire ce défi, vous inquiétez pas. Hop, ça on prend. Oh, prenez. Alors ça, je veux mon neveu. Voilà, c'est bon, ça mange en balle. Ah, regardez ce qu'on a aussi là-haut. Non, il y a trop de trucs. Il y a trop de trucs. Alors attendez. Là on a un pot, deux pots, trois pots, c'est tout? Allez, c'est parti. Il en reste un. Il en reste, il est là. Ok. Oh non. Très bien. Et donc, attends. 1
2, 3, 4. Ah si, c'est bon. Et là, ça devrait m'aider en fait, non? Là, je saisis pas en fait. Il y a un truc, je dois passer à côté. Bon! Oh, c'est déjà la fin de l'épisode, on va retenter le défi, les potes. On va retenter le défi, c'est hors de question que je cut cet épisode. Alors, c'est horrible parce que là, vraiment, on a l'impression de ne pas avoir fait grand-chose, voire ne rien avoir fait. Mais je peux vous assurer qu'on a quand même fait quelque chose, quoi. On a récupéré des petits rots et ça n'a pas de prix, les amis, ça n'a pas de valeur. Allez, on est parti, on va faire ce défi. Qu'est-ce que ça... Il peut être où, le dernier? Oh. Dommage. Ok. Allez, go. Ok, c'est pas grave. C'est bon, aucun problème. Normalement, aucun problème. J'y arrive. Allez, sans aucun souci, let's go. Et ben voilà, je vous avais dit qu'on terminait l'épisode en ayant fait ce défi. C'était pas facile celui-ci en vrai. Oh, un petit chapeau. Hâte de le mettre. Eh ben écoutez, on va littéralement s'arrêter là. La suite est à gauche, mais ça me turlupine ce qui se passe à droite. Donc, attends, il y a forcément... J'ai dû louper un truc là, c'est pas possible. 1, 2, 3. Oh, les enfoirés. Non? Ah, y'a un... Oh là. Ok. Bon, bah écoutez, j'essaierai de comprendre au prochain épisode. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. J'espère que cet épisode vous a plu. À bientôt tout le monde. Passez une bonne soirée. Bye bye.